Salut à tous, c'est Soyer36, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel sur la ferme. Aujourd'hui tutoriel qui va s'intéresser à tout ce qui est la déco à l'intérieur, hein, parce que le bâtiment est quasiment fini à l'extérieur. Donc hors caméra, pendant que vous n'étiez pas là, j'ai changé la terre qu'il y avait dedans et je l'ai remplacée par de la cobblestone, donc vous pouvez faire ça. Et pour rendre un côté plus réaliste à ça, vous pouvez simplement remplacer quelques blocs. Vous tapez un peu au hasard par-dessus, comme ça. Je vois que je commence vraiment à laguer. Je vais juste enlever les shaders parce que je pensais réussir à tourner cette fois avec, mais je ne vais pas y arriver. Donc, comme ça. Et donc vous tapez un peu au hasard et vous remplacez quelques briques de cobblestone par de la pierre lisse, hein, comme si c'était de la roche où on avait un peu plus marché dessus, comme ça. Et vous posez 2-3 blocs d'herbe aussi par là, par ici, pourquoi pas un par là-bas. Et vous mettez juste de l'herbe au-dessus pour donner un côté plus réaliste. Voilà, pour le sol c'est terminé. Vous pouvez mettre quelques torches, hein. Par ici et par là, par exemple. Là, maintenant, puisqu'on l'a mis, on va pouvoir l'enlever. Ensuite, on va mettre une échelle pour monter à la plateforme d'en haut, hein, parce que là, on peut y monter qu'en volant. Donc, on va la mettre ici, comme ceci. Voilà. En ce qui concerne ici en haut, on va pouvoir prendre du bois. Vous prenez du bois et vous allez pouvoir ici en haut, vous comptez 2 blocs d'espace, vous mettez un tronc d'arbre, 2 blocs d'espace, un tronc d'arbre, 2 blocs, un tronc d'arbre, 2 blocs, un tronc d'arbre. Et vous faites des poutres comme ça sur toute la longueur. Voilà. Et sur celle qui se retrouve juste au-dessus du trou ici, on va pouvoir faire une petite lampe, question d'éclairer tout. Tout, 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 tout. Voilà. Ensuite, on va pouvoir poser de la glowstone. Comme ceci. Et vous allez pouvoir prendre des trappes, j'en avais déjà, et des dalles de bois sombre comme ceci. Voilà, comme ça vous fait une petite lampe. Ensuite, on va pouvoir redescendre et on va rajouter qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ici en bas pour donner un côté plus réaliste. On va pouvoir, je pense, rajouter une porte ici derrière. Ouais, on va rajouter une porte ici derrière. Donc, ici, on va faire une petite porte alignée avec ce qui est ici en haut. Ouais, et on va pouvoir reprendre le même principe de la porte ici, donc avec du bois normal et des dalles de pierre, et on va pouvoir faire un pylône comme ça, un pylône comme ça, et faire une porte de cette manière là non, pas comme ça, on va faire ici comme ceci. Comme si c'était les deux portes qui pouvaient se fermer vers l'intérieur. Voilà. Non, là pour le coup j'ai pas du tout centré la porte. Je fais n'importe quoi depuis un moment, c'est horrible. Voilà. Comme ça. Vous pouvez même les continuer jusqu'à la fin pour faire plus joli.
Après ça, on va pouvoir rajouter, ben, on va rajouter une colonne ici pour faire joli, ici aussi. On va faire une poutre ici, donc on va ouvrir ça. Donc on va tirer une poutre au milieu ici. Faire juste joli comme ça. Et comme ça. Je fais n'importe quoi, cette poutre n'a rien à faire là. Elle va là-bas. Non, non, elle fera plus joli. Vous l'alignez avec celle-là, ça fera plus joli. Comme ça. Pareil pour celle-là. On va la faire. Ici, on peut même rajouter. Non, on va laisser ça comme ça. Voilà. Et ensuite, on peut même. On va laisser ça par contre, ça c'est joli. Par contre, ça on peut presque monter dans l'étage comme ça et rajouter des dalles de bois au-dessus. Comme ça, ils sont. Voilà. Comme ça. Donc, comme ça, on a aussi une porte vers l'arrière. Après ça, pour donner un côté plus réaliste, on va pouvoir mettre des bottes de foin un peu partout. Oh, j'ai baissé le son, je m'excuse. Hein. Ça a peut-être rendu un peu fort chez vous. Mettre un peu des bottes de foin un peu partout, comme ça, un peu au bol. Voilà. On va faire un tas un peu plus petit ici. Ici aussi. Et ici aussi. Voilà, ça peut être bien. Et ici, on va pouvoir faire comme la dernière fois. On va mettre ça devant. Ça, on veut bien faire. Non, non, pas comme ça. On va plutôt le mettre à l'endroit où la porte va se replier. Comme ceci. On repose de la bonne. Après, en haut, vous pouvez aussi faire des tas de foin. Hein. Pas de problème. On va aussi faire un tas de foin ici en haut. Donc, ici aussi. Ici, vous en faites des petits, sinon on n'arrive pas à passer si vous posez un truc ici. Donc, des tas un peu plus petits comme ça. Bon, au pire, vous pouvez sauter dessus, hein, c'est pas un problème. Et ici aussi, voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je pense pas. Ça devrait aller bien comme ça. En dessous, ben, ça donne pas mal. Ça donne pas mal. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? Je vais remettre le jeu. Voilà. Alors, on va pouvoir peut-être ajouter des fenêtres un peu sur le toit comme ça. Alors, on va compter 3, 1, 2, 3. Vous faites une fenêtre large comme ceci. Comme ça. Et vous reprenez vos escaliers en quartz et vos dalles en quartz. Voilà, et vous faites une petite fenêtre comme ceci. Donc, des escaliers à l'endroit sur les bords, un escalier à l'envers au milieu. Vous posez juste une dalle au-dessus. Ça donne une fenêtre comme celle-ci. On va mettre à l'intérieur des vitres plates, pour faire plus joli, comme ceci. Et on fait la même fenêtre ici à 3 d'écart. 1, 2, 3. Là, on refait la même fenêtre. Donc, 2 d'argile rouge.
deux escaliers à l'endroit, un escalier à l'envers, une dalle et des pattes. Et on va faire ça de l'autre côté aussi. Voilà, deux escaliers à l'endroit, un escalier à l'envers. Pardon, une dalle et des vitres plates. Comme ceci. On va voir l'intérieur comment ça rend. Bon, maintenant le problème c'est qu'on a un petit trou ici, donc ça c'est vite arrangeable. On va juste prendre des dalles de bois. Les dalles de bois se trouvent ici, de bois de sapin, et on va juste faire ici dessous une petite ligne pour cacher ça. Voilà, la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Ensuite, ben on va pouvoir ajouter des fenêtres aussi en bas. Donc juste en dessous de celle-là, garder la même ligne. Juste en dessous, on va faire deux. On va faire des fenêtres ici. Donc. Faites une colonne en quartz, en colonne de quartz ici, de l'autre côté aussi. Vous remettez de la vitre plate, comme ceci. Pareil de l'autre côté. Non, là on va arriver juste derrière le blé. Non, ça va pas faire très joli. Donc ici vous allez laisser le mur entier. Enfin, si vous n'avez pas de blé, vous pourrez rajouter une vitre, hein, c'est comme vous voulez. Ouais, ici on pourrait presque rallonger ce tas de blé. On va faire ça. Voilà, on va faire un grand tas de blé ici. Voilà. Et donc, pour pas que ça fasse trop plat, ici on va pouvoir rajouter un autre petit tas de blocs de blé. On va passer ici. Voilà. Ici aussi, pourquoi pas un petit tas de blé. Là aussi. Là aussi. Ouf. Et là, on peut rajouter la petite fenêtre. Même agrandir ce tas là, on n'a pas ça. Non, alors là j'ai bien l'impression qu'on a presque fini. Il n'y a pas beaucoup de détails qu'on peut rajouter en plus, à part vous pouvez prendre des feuilles de ce que vous voulez, et pourquoi pas, hein, ça certaines personnes aiment, certaines personnes n'aiment pas, c'est comme vous voulez. Vous pouvez rajouter une sorte de plante ici, d'un arbre, des feuilles juste sur le toit pour faire joli comme ça des deux côtés. Ça c'est comme vous voulez, hein. Si vous aimez vous faites, sinon ne le faites pas, ça m'est égal, hein, ce que vous faites. De toute façon je ne vois pas ce que vous faites. Je pense que le tutoriel est à présent terminé. Je regarde encore un peu si je dois rajouter des trucs. Non, non. Donc si vous voulez plus de choses justement sur cette ferme, rajouter plus de détails, vous pouvez aller voir mes tutoriels sur les tracteurs et la moissonneuse batteuse, hein, pour compléter un peu votre ferme. Et sinon, ben je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Celle-là sera une vidéo spéciale bonus. Vous verrez bientôt ce que ça sera.
Et donc, ben, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.